Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, frelon asiatique. Vous pouvez pas trop le rater. Le nid est quand même pas mal. Donc pour la saison, c'est normal. On va dire un beau ballon de basket. Vraiment une bonne activité. Ça bosse. La cliente me disait qu'il grossit très vite. En une semaine, il va presque doubler de volume. Donc on va traiter à la perche. J'ai mis la caméra au bout, comme ça vous allez voir de près ce que ça donne. Allez, on allume la caméra. Hop, cette fois-ci c'est bon. La dernière fois, j'avais fait un boni et en fait, j'avais pas allumé la caméra. Du coup, j'ai plus rien prendre. Même à cette distance, on prend pas de risque. On met la combinaison. Parce que si on peut éviter de se faire piquer, c'est quand même mieux. C'est bien pratique ces perches carbone. Je vous laisse regarder un peu de près. Un frelon qui est déjà repéré. On ouvre la vanne, on va essayer de pas trop les énerver. Hop, un petit coup. Donc là forcément, ils sont pas contents. Je sais pas si je vais pouvoir vous caler. Ouais, mais c'est pas mal là, ça a l'air de tenir. Je prends le stabilisateur. Et on regarde de près. Hop. Voilà, piqué. Une petite dose. Là-haut, ça attaque un peu la caméra. Et voilà, traitement fini. On le laisse en place. Comme d'habitude, les frelons qui sont dehors vont revenir au nid. Et se traiter au produit. Et là, on a des frelons pleine poudre qui sont en train de mourir, qui tombent au fur et à mesure. Ouais. Là, on est sur un nid qui est normal pour la saison. Celui-là, il est pas en retard. Allez, je vous montre la caméra. Tout ce qui brille, toutes les traces là, c'est du venin. Là, il faudra bien désinfecter la caméra. Là, si on touche avec les doigts et qu'on se gratte les yeux, ah bah ça pique. Je l'ai fait une paire de fois. Hop.
Venir ici. Bon ben voilà. C'est fini pour eux. Merci à tous. À bientôt. Ciao. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un professionnel qualifié sur toute la France, vous avez le site Expert Guêpes et Frelons.